Et en sport, dans quelques jours, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 va fermer officiellement ses portes. Mais dès ce soir, place désormais au dernier carré avec les deux rencontres qui désigneront les deux finalistes en course au titre. Ce soir, le Burkina Faso va se mesurer au Sénégal, tandis que demain jeudi, l'hôte de la compétition, le Cameroun va devoir battre l'Égypte s'il veut disputer la finale à domicile. Qui remportera cette énième trophée de cette compétition? C'est la question que se posent les amoureux du ballon rond africain. Les affiches de demi-finale donnent encore vie et corps aux supporters africains. Quant au spectacle que vont livrer ces différentes sélections, tel que l'est dit ce reportage de nos confrères d'Africa News. C'est le jour J pour le Sénégal et le Burkina Faso qui doivent s'affronter en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Aux portes de la finale de la compétition de football, le Sénégal, déjà double finaliste de la CAN, aborde la rencontre sans avoir été battu en 11 matchs consécutifs depuis sa défaite en Coupe COSAFA en juillet dernier. Encore une fois dessus, tout ce qu'on pourra dire en conférence de presse, c'est que de la communication. La réalité du terrain, tout le monde sait que c'est autre. C'est deux grandes équipes qui vont se rencontrer. Deux équipes qui ont bataillé fermement pour être là où ils sont, qui ont connu au départ aussi un début de compétition, quelques difficultés, mais qui ont su déjouer toutes ces difficultés et être là, ce qui prouve le mental des Burkinabés, mais ce qui prouve aussi le mental des joueurs sénégalais. Mais l'équipe burkinabé n'a pas dit son dernier mot. Les hommes de Kamou Malo ont atteint cette étape en battant la Tunisie 1-0. Si l'équipe venait à remporter la rencontre, ce serait sa deuxième finale de la CAN depuis 2013 face au Nigeria. Dans un premier temps, c'est d'être soi-même. Alors nous n'allons pas changer notre identité parce que nous devons affronter le Sénégal. Nous savions déjà que le Sénégal c'est une grosse armada. C'est en tout cas l'un des meilleurs pays du foot en Afrique. Alors quand vous jouez une telle équipe, l'essentiel c'est de rester vous-même. Alors on ne va pas en tout cas venir à cette compétition, à ce match avec un masque, avec une image qui n'est pas la nôtre. Non. Nous allons garder notre identité de jeu. Le Sénégal et le Burkina Faso s'affronteront au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé au Cameroun mercredi. Autre demi-finale attendue, celle de l'Égypte face au Cameroun jeudi à 20h.